On se retrouve sur Dead Space. Dead Space. C'est la partie 3. J'ai failli encore dire Dead Space 3, hein, mon dieu. Hein. Non, on se retrouve sur Dead Space. Un grand plaisir, hein. Un grand plaisir de s'y replonger. Voici quelques années. Bon, bah là, on est au chapitre 4. Voilà, on est au chapitre 4. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a découvert une nouvelle arme dans la partie précédente qui est magnifique. Le découpeur. J'ai beaucoup misé là-dessus. On s'est acheté de lames de découpeur. Ça fait un très 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 grand bien. Bon, on va sortir du tram. Isaac, par ici. Elle a raison. Le système de défense est HS. J'ai besoin de votre aide. Kendra, si vous me recevez, voyez si vous pouvez trouver des rapports. L'accès a l'air meilleur de votre côté. Quand comptiez-vous nous parler de ce vestige, Hammond? Ce monolithe? Je ne sais rien du tout à ce sujet. Le capitaine en parle dans ses rapports, ils l'ont ramené de la planète. Sur le vaisseau? On dirait. Ils pensent que c'est extraterrestre, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Vraiment? La compagnie ne sait rien du tout là-dessus. Vous mentez. Dites donc! Dis donc. On a plus important là, des ennemis en commun. Alors que vous me croyez ou non, on va devoir coopérer. On est dans le champ de débris. Allez au quartier du capitaine, j'expliquerai tout plus tard. Terminé. Allez au machin du capitaine, il a dit. Hein, c'est ça? Il a dit trouver amende. Ok. Bon, bah écoute, mec, on va suivre tes directives, boss. Hein? On va pas faire les malins. On va faire comme si t'avais raison. Où se trouve? Il a dit quoi dans les quartiers du capitaine? J'ai compris dans le champ du capitaine, mais le capitaine il a pas de champ. Dis donc, tu viens d'où toi? Dis donc, dis donc. Bon, on a tout ce qu'il nous faut normalement là. Hein. On est bien, on est paré pour toute éventualité. Je vais mettre mon siège un tout petit peu plus en retrait là, comme ça. Là, je me sens bien là. Là pour, je le sais, c'est impeccable. Ah, je me souviens de cette pièce. Eh oui, on est dans un champ d'astéroïdes, bordel. La passerelle est touchée, juste sur ta droite. Apparemment, c'est sérieux, mais les fondations tiennent bon. Conditions vitales intactes, il faut quand même rétablir le système. Ok, on va rétablir le système. Je sais qu'à un moment donné, il y a... Enfin bon, je vais pas vous spoiler, pour ceux qui découvriraient le jeu. Vu que vous êtes des milliers à me regarder, il y en a forcément parmi vous qui connaissent pas le jeu. Salut Vénus. Excuse-moi, je n'avais pas vu ton message. Bon stream à toi. Je suis sûr que tu aimes Dead Space et ma façon de jouer. Je suis sûr que tu prends beaucoup de plaisir. C'est bien normal. N'aie pas honte de tes sensations. Et si j'ai un conseil à donner, n'aie pas honte de tes sensations. Bon, bon, là, on a un paquet de lames de découpeur, c'est agréable. Et on a aussi des... Bon, il nous donne beaucoup de cartouches, ça me fout un peu les jetons. Ça veut dire qu'il va se passer des choses. Là, on se souviendra, il y a une lame de découpeur. Hein. Bon, évidemment, on peut toujours refaire une petite sauvegarde, mais bon... j'allais dire, est-ce bien nécessaire? Oui. Donc, on est bien à la partie 4, chapitre 4. Regardez ça, à l'époque, c'était magnifique, hein. Espèce de huis clos, claustrophobique. Spatial. Bon, allez, on va dans les quartiers du capitaine. Alors, je crois que le tir secondaire de mon arme, ça lance une espèce de
la lame en fait, mais d'une façon très très violente. Enfin, pas celle-là, hein, c'est celui-là. Celui-là. Le trancheur là. Parce que là, on a le plasma, on a le flingue, on a les dents là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et là, on a le découpeur, alors le découpeur c'est. Schéma plein? Ah non, ah non, ça c'est pas possible. Bon, faut qu'on jette quelque chose. Non, c'est pas possible, faut qu'on jette quelque chose. Bon, on va prendre ça, hein, je suis désolé. On peut le déposer. Voilà, on le dépose et on prend le schéma. On reviendra le reprendre plus tard. Hein. Allez, c'est parti. Elle est là. Bon alors, Isaac, tu vas encore me donner plein d'ordres? Merde, quelle angoisse, cet endroit me rend nerveux. Ah, moi aussi. Les débris ont déjà fait pas mal de dégâts. Bon, Kendra ne me fait pas confiance. Mais je ne sais rien du tout à propos d'un monolithe ou quoi que ce soit. Nous sommes juste venus là pour réparer. Rien de plus. Ce bordel, c'est le système de défense. Je dois pouvoir le réparer, mais l'alimentation... Salut Vénus sur le chat. Il va falloir le réactiver manuellement, avec au moins 3 panneaux électriques pour remettre le canon principal en marche. Oh, d'abord, il faut activer les ascenseurs de l'atrium depuis la passerelle. Grâce à eux, vous pourrez atteindre les panneaux. Il me dit ça comme si c'était... Isaac. Facile. Faites gaffe. J'ai vu quelque chose, je sais pas trop quoi. J'ai pas bien vu. Mais c'était gros. Très gros. Merci. 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 Merci de pas me faire peur. Bon, ok, Coco. Alors là, quoi, on va aller remettre les ascenseurs, si j'ai bien compris. Y a pas autre chose à looter, là? Ah, si. Évidemment, Romain. Évidemment. Ah bah non, on vient d'en déposer un par terre, c'est pas pour en reprendre un. Merde, je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche, je vous promets que ça n'arrivera pas. Hein. Parce que là, je vois déjà, on était 10 000 viewers, il y en a 50 qui sont partis parce que je me suis trompé de touche. Bon bah. Merde! Arrière! Croyez mort quand je l'ai enfermé. Ces horreurs sont coriaces! Ok, ah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, tiens, ça c'est un truc que j'avais pas noté là, mes premiers let's play. C'est que. Il m'avait dit qu'il en avait enfermé un. Et effectivement, il en avait enfermé un. Mais moi, il s'est libéré. Moi, je sens que dans cette grande salle, il va se passer beaucoup de choses. J'aurais pas spoilé, mais j'ai le sentiment amer. Il va se passer beaucoup de choses. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Une transmission. Oula, ta mère à poil. Oula, oula, oula. Je me souviens plus exactement ce qu'il faut faire. Ah merde. Oh là 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 là, en mode hard, on meurt en deux coups. Oh d'accord. J'espère qu'il y a un checkpoint. Je me souviens qu'il était facile. Enfin, qu'il était facile. J'ai déjà terminé le jeu en mode hard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Je crois qu'on va tirer dans le dos. On va plutôt prendre ça. Hein. Merde, je me souviens plus comment on dodge. Enfin, quand on évite son attaque de... Sa petite attaque douce. Oui, d'accord, mais... Comment on fait pour que... Comment on fait pour être dans son dos?
souviens plus. Il faut peut-être prendre le... Putain. Je me souviens plus exactement. Putain. On a encore perdu 50 viewers parce que j'ai perdu deux fois. Ah, c'est pas simple. Passerelle à l'aide. Nous sommes cernés, je répète. Le vaisseau est cerné. Ils nous ont attaqué. Tous les civils, tous. Ils ont déjà tué tout l'équipage. Besoin de renforts sur le pont immédiatement. Ils sont trop forts, on va pas tenir longtemps. Et puis comment on fait? Il me dit que son armure est pas bonne, mais... On peut pas dodger. Oh putain, il faut recharger. Et on peut pas éviter dans ce jeu. Alors comment on fait pour... Je me souviens que c'était facile en fait, mais je sais plus. Faut le tirer dessus et puis après il se met en mode carapace et puis faut le bourriner par derrière. Ah oui. Putain. Bon, déjà je me suis souvenu qu'on pouvait faire la stase. Excusez-moi, hein, il est minuit. Hein. C'est quoi mon arme où j'ai le plus de... Là j'en ai 12. Je peux tirer vite. Non, ça j'ai envie de le garder. On tente, on va bien voir. Putain.
Putain, mais je me suis éloigné là. Allez, hors. Pas un endroit pour se remettre de la stase. Merde, 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 qu'est-ce que je joue, mais... Je suis trop con, il n'y a pas de pause dans ce jeu. Il m'a dit que son armure ne servait à rien alors qu'en fait on peut le tuer comme ça. Il m'a raconté que des salades. On peut complètement lui tirer dessus avec le fusil. On peut complètement y aller frontalement. Quel salaud. Je vais aller récupérer ma petite vie. Il m'a menti l'autre. Menti, mais alors d'une violence. Voilà. Oh putain, m'a pardonné beaucoup. M'a pardonné beaucoup. Ah non, mais en fait, il est simple, hein. Mais je me souviens plus, hein. Encore une fois, ça fait des années. Hein. Bon, il y a un truc qu'on a pas pris, hein, je sais, ici, là. Bon, là, on l'a pris. Il y avait un truc au sol, ou alors on a tout pris. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ah non, voilà, c'est là. Bah dis donc, mais il m'avait l'air drôlement bien énervé lui, hein. Déjà tu te calmes, tu prends un doliprane. Nous on va se reprendre un peu de stars. Oui. Ok, on s'est repris un peu de stars. Bon, mais non, mais là je suis un petit peu je suis chafouin. Voilà, autant dire les choses. Isaac, ne faisons plus qu'un. Je suis chafouin parce que il nous a menti. Bon voilà, on s'est acheté des points, donc on en a 3. Bon, sachant que le découpeur, on l'aime bien. Hein. On pourrait évidemment faire encore un petit coup de capacité. Voilà. Et le trancheur, on l'aime beaucoup aussi. Ça, c'est le rechargement. Ça, l'amplitude, c'est pas mal. Hein. Excusez-moi, je passe un petit peu de temps. Le rechargement, c'est quand même drôlement agréable, hein, qui recharge vite. Et après, on a un dommage qui est plus loin. J'ai entendu un petit bruit tout doux. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est mon PC ou alors c'est... Je doute que j'ai eu un trophée. Hein. Ah, c'est peut-être un... Salut, pardon, Bad Boy Gamerang.
Excuse-moi, c'est la première fois que je mets les annonces. Donc j'ai eu le son d'une annonce. Alors j'imagine que peut-être tu m'as suivi. Et alors en cela, j'ai envie de te dire, c'est une excellente initiative. Ta vie va changer hein, maintenant. Hein. Note bien ce jour, hein. À minuit 21, ta vie va changer. Non, je te remercie. C'est quoi exactement ton pseudo? C'est Bad Boy Gamerang. Bienvenue à toi. Alors, le rig, ça serait bien qu'on se mette un petit peu plus d'air. Allez, on fait ça. On essaye d'être sérieux. On essaye d'être sérieux. Parce que l'air, il y a des phases où on manque d'air, évidemment. Alors, tu vois, Vénus, elle est très très sympathique. C'est une femme remarquable. Bon, là, on retrouve quelques petites munitions. Allez, on se casse. On s'arrache. Ah non, il veut que j'aille par là. Ah, pardon. Oh là là, j'avais pas vu. Ascenseur de l'Atrium activé. C'est bon, en fait, voilà, on a activé l'ascenseur. Donc normalement, voilà, on peut l'utiliser. Et dans ce jeu, on n'a pas le temps de fumer, hein. Une petite vidéo, tiens. C'est une mutinerie. Vous serez tous jugés pour mutinerie. Calme, faites-les revenir à la raison. Calmez-vous, Ben. Tenez-le. En vertu de l'article 5469, je déclare le capitaine Benjamin Mathius inapte au service. Le monolithe doit revenir à notre église. Tête! Pitié! Désolé, Ben, mais il n'en est pas question. Traître! Hérétique! Tenez-le bien. Meurtrier! Tenez-le! Il est mort! Par votre faute, docteur! C'était un accident, je devais l'arrêter. C'était un accident. Arrêtez, docteur. Évidemment. Alors, je suis pas spécialiste ni médecin, mais effectivement, il avait l'air inapte au service. Hein. Donc, à la décharge, ce qui s'est passé était un accident. Et bien évidemment. Vous allez dire que je sauvegarde encore, hein. Je sais, mais bon, on joue en dur, on joue en dur ou on joue pas en dur. Et on prend ses précautions. Allez, encore un petit schéma. C'est bien les schémas. Le problème, c'est qu'ils prennent de la place, ils prennent des slots. Et nous, les slots, on en a besoin. J'espère qu'il y a de la vie là. Hein. Putain. Putain. Non, je disais que j'espérais qu'il y avait de la vie, pas qu'on m'en prenne. Putain, je me suis fait avoir. Hein. Je me suis fait baiser, comme on dit. Hein. Je me suis fait baiser, comme on dit vulgairement. Hein. Les jeunes disent ça. Hein. Je me suis fait baiser. On n'a plus de vie là. Je crois que les systèmes de gravité fixés sont endommagés. Garde un œil sur toute déformation suspecte devant toi ou sous tes pieds. Ça peut être dangereux. Ok. Marche. Oula, 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 oula. Il nous conseille d'utiliser cette arme. Hein. Allez, allez, ouvre-toi. Il est mort. Il va mourir là aussi. Il passe à côté. Et moi aussi je vais mourir alors. À moins que je passe tout doux sur le côté. Voilà. Voilà.
Il a vraiment envie que je prenne le découpeur. Hein. Il me donne beaucoup de munitions dans ce sens. Sachant qu'on l'a upgradé, là, on peut aller jusqu'à 10. Vous racontez pas trop de bêtises sur le chat, hein, je vous ai à l'œil. Il y en a un qui est là. Hein. Je suis pas foufou. Très mauvaise arme. Merde. Allez, allez. Merde, mais je suis con. Quel idiot, excusez-moi si j'écris dans les oreilles, mais moi j'ai le casque à fond, hein. Faut me comprendre, faut se mettre dans mes conditions. J'ai des conditions de jeu exigeantes. Putain, faut tout refaire. Bon, déjà, on n'a pas la bonne arme. Voilà, là on est bien. On va essayer d'utiliser le décor plus pour les tuer. Hein. Genre lui. On n'est pas trop con. Voilà. Il n'y a pas besoin de le tuer, lui. Hein. J'étais sûr qu'on pouvait passer. Faut pas déconner. Il y avait 10 cm. Je me mettais comme ça, un petit peu comme ça, là, c'était bon. Est-ce qu'il a besoin d'élargir les épaules, là, pour faire le kéké? Alors, Isaac? C'est bon, on a ramassé le... En plus, c'est pas une phase qui est très dure. Voilà. Voilà. Ça me plaît. Ça me plaît. Mais merde. Mais... Attends, je comprends pas. Bon, on peut jamais passer par la gauche. Ok. Ok. Au moins, je le saurai. Oui, Vénus veut dire par là que son prénom ça se prononce avec Vénus. C'est un détail pour nous, mais pour elle ça veut dire beaucoup. Bon, il vient l'autre. Tout à l'heure il est venu. Ça me ferait une économie de balles, ça serait pas mal. Voilà, allez viens. Ouais, là, ça ne l'a pas fait. Hein. Bon, on fait pas le con. Hein. On fait pas le con. On passe à droite. On passe là. Après, on passe là. Qu'il compte faire lui. Il fait le tour. C'est ça son plan. C'est ça son projet. Thank you.
J'ai pas utilisé la bonne arme. Ça s'est senti, hein. Ça s'est senti. Ah, le mode dur est pas du tout pareil, hein. Là, c'est complètement un autre jeu, hein. Forcément, bon, en même temps, je les stasse pas. Voilà, c'est ma faute. Faut dire ce qui est. À un moment donné, faut dire ce qui est. Si on stasse pas, bon, bah, faut pas venir se plaindre. Quoi, c'est encore un monstre horrible. T'es où, bâtard? Putain! Je vais mourir. Allez, la stase. Allez, mais je peux pas passer. Eh merde. J'espère qu'ils me font pas me retaper tout. J'espère qu'on a eu un checkpoint. Bon, ça va, il y a eu un checkpoint. Non, il faut lui tirer dessus. Et après, évidemment, y aller au trancheur. Et tout ceci avec Stas. Parti. Voilà. Je cache pas qu'il y a la musique qui gueule dans les oreilles. Pour se concentrer, c'est pas super. Putain, mais quand ils me foncent dessus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le stase? C'est à ce moment-là qu'il faut faire la stase? Je crois, hein. C'est ça, hein. On va faire ça. Quand il me fonce dessus, la stase. Merde. Ah putain, mais
C'est le mode dur, hein, ça. C'est deux coups, t'es mort, mais j'ai plus de vie. Faut dire les choses, j'ai plus de vie. Quand on n'a pas de vie, ça devient compliqué. L'arme est pas assez puissante. Là, j'ai plus rien. On va faire le trancheur, hein, dans son dos, hein. Je suis désolé, mais. Ça commence bien. Eh merde, putain. Bon, faut le bourriner. Il se met dans sa petite carapace de merde. Et on y va au trancheur. Donc on lui tire dessus. Il se met en petite boule. Faut le staser, quoi. Vous avez des idées sur le chat, n'hésitez pas. Je sais qu'il est pas dur en plus, c'est ça qui est énervant. Je peux pas passer là. Mon Dieu, je fais pas dans le bon ordre, mais en même temps, comment je peux dodger quand il me fonce dessus? Puis j'ai plus de vie aussi, y a ça qui est quand même drôlement emmerdant. Non mais on va le bourriner comme ça. Chaque fois qu'on le voit, on le bourrine, et puis quand on est dans son dos, on y va au flingue. Il nous tue en un coup. Tu veux que je vous dise? On stase. Et puis on le bourrine. En plus, on peut le démembrer. Merde, quand il me fonce dessus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sans déconner.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand ils me foncent dessus? J'ai plus de stase. Il y a un truc à stase ici? Je regarde sur la carte. Il y a peut-être un petit truc. Bah, c'est rigolo, là sur la carte on voit que dalle. Où moi? Ah oui, il y a un truc de stase. Les viens là, enfoiré. Je sais qu'il est pas dur en plus. Putain, mais. Ah mais il est juste là le truc de stase, bordel de merde. Ah et puis je peux pas passer, putain. C'est bon. Non, je peux pas passer. Oh lolo lolo. Faut le staser tout le temps quoi, mais j'ai pas vu. Voilà, ça a été mon erreur. Quand je commençais à rentrer dans la pièce, vous voyez ici, j'ai pas fait gaffe, comme le champ de vision est très réduit. J'ai pas vu qu'on pouvait se remettre de la stase. Ok, bon, j'ai compris. Toi, je te stase tout le temps et tu nous embêtes plus. C'est vraiment un enculé, hein. Enfin, c'est un coquin. Bon, ça quoi? Pas question de mourir ici. Hein. Ouais, là, on va mourir là. Ça m'a pas redonné beaucoup de vie là, les deux. Hein. Ils m'ont redonné un double médic. Je suis désolé, il a pas fait son office. Hein. Alors, on est toujours dans l'idée de faire quoi? De rétablir le système de défense. Hein, voilà, c'est ça. Bon, on continue. Oh, le jeu est excellent. Alors, on se remet un peu de stase. Alors attends, qu'on crève pas connement. Ça serait bien dans notre idée, ça, de crever connement. Ok.
ok. Je le sens bien là, lui. Il est mort là. Bon, c'était pas trop mal là. La stase, hein, la stase, la stase, hein, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la sauvegarde, mais j'ai envie d'aller voir un petit coup là. Ok, il me dit d'aller par là, mais moi j'ai envie d'ouvrir ça. Bon, les gros, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne un point de force. Hein. Rien oublié. Okay. Des fois, je me remate une VOD puis je me rends compte que j'oublie plein de choses. Je me regarde pas une VOD parce que je m'apprécie spécialement à tout de suite les mauvaises langues. Non, je regarde une VOD parce que je veux regarder la qualité. Je veux voir si je fais bien de mettre en 1080 pour que ça pixelise à mort, ou alors faudrait peut-être que je mette en 720 pour avoir une qualité certes plus petite mais plus agréable. Et puis finalement, je choisis la 1080 qui pixelise à mort. Comme ça au moins je peux dire que je suis en 1080 et que je fais partie des plus grands. Ok. Excellent jeu. Excellent jeu s'il en est. Excusez-moi, je fais un petit peu petite pause. Alors comment ça va le chien? Ça va, ça te plaît? Bon. Quoi qu'est-ce? J'entends des choses. Oh putain. Putain, pourtant je l'ai eu. Mais je l'ai vu sauter sur moi, j'ai voulu le staser. Faut que je retrouve mes réflexes, hein. Mes réflexes d'antan, hein. quand je finissais le jeu en 2-2. Ah, ils nous ont remis là. Qu'est-ce qui est le mieux là? On a du trancheur? Ah ben, on a du trancheur. On a que deux. Ça va suffire. Ça va suffire. On va en staser un et on va s'occuper de l'autre. Ça, c'est de la technique. Je sais que je suis suivi par. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis suivi par beaucoup de speedrunners. Qui, bon. Pour avoir quelques trucs et astuces, quelques techniques, quelques tips. Ça c'est déjà bien. J'arrive pas à le trancher le bras. Il est pas mort lui. Il y en a un autre.
Putain. Léo, Léo. Ça a été là. Oh putain, mon dieu. Bon, excusez-moi. Hein. On n'optimise pas, hein, parce que regardez, il y a une bonbonne. Là, on aura pu en tuer un gratos. On va retourner vers le Black. Il va nous donner encore 1000 choses à faire. Non. On peut pas. Petite sauvegarde, c'est où déjà? C'est là. Hein. On a plus de vie. Hein. La prochaine fois, on fait moins les malins. On s'achète pas un point de force et on s'achète de la vie. Normalement, petit à petit, les coffres se débloquent. Ah bah, ça y est, je les ai ouverts. Il y a encore le rouge là-bas qui va s'ouvrir. Là, celui-là aussi. Normalement. Hein. Je dis pas trop de conneries. Allez. Fais nous rêver. À quel niveau? On va à quel niveau? Je sais pas. On est où? On est où sur la carte? On est là. Il faut qu'on aille au moins... Bah juste en dessous. On va au niveau 2. Ah, on est au niveau 2. On va au niveau 1. Isaac, écoute ça. J'ai fouillé les rapports médicaux. C'est une bio-régénération. Ça trouve les cellules mortes, les absorbe et leur donne une nouvelle forme. Chaque agent infectieux porte une cellule qui assimile. Quant aux autres, eh bien, elles préparent le corps à être transformé. J'en déduis que les tissus sur les murs sont d'origine corporelle aussi. Un rapport dit qu'ils agissent sur l'habitat du vaisseau. Ok. Faudra qu'on jette un petit coup d'œil au niveau 3 quand même. Hein. Ça m'intrigue. Putain, mais on n'a pas de vie là. Là où le jeu est très très bien pensé, c'est que les points de sauvegarde sont disséminés très très intelligemment. Mais je suis, je vais le redire, hein, je suis très surpris hein, pour un jeu de 2008 qui m'avait marqué énormément. Je prends autant de plaisir à y jouer maintenant, aujourd'hui. Hein. Il est à la hauteur de bon nombre de jeux. Ah oui, d'accord. On a bien fait de se rajouter de l'air. Bon, on a un point. Il va falloir le dépenser. Non, ça c'est la portée dans le module de stase. Je suis désolé, mais la durée, ça va nous sauver la vie. Ah, mais là on peut pas. Énergie. On a plus d'énergie, après c'est plus la durée. Est-ce qu'on investit là-dedans? Ah putain. Ou alors le découpeur. De toute façon, il va falloir qu'on en perde un. C'est que pour la recharge. Et ça, c'est la durée du découpeur. Il en faudra deux aussi. Et l'arme d'assaut. Peut faire sa capacité. Allez, on fait la capacité. Parce que quand on est... par exemple, tout à l'heure, on était dans le dos. Le chargeur se vide à une rapidité folle. Bon, maintenant on a 75. Puis ça permet de faire de la place dans le... Surtout ça fait permis de faire de la place dans le... Dans l'inventaire. Un petit inventaire qui est réduit quand même, hein, je vous signale. Ah, c'est bon. On a bien fait de se rajouter de l'air. Hein. Plus confortable. Sortie zone centrale.
Putain. Il s'est fait tuer tout seul, hein. C'était mon but, hein. Allez, ça. Ça, c'est pas trop. Alors, qu'on meure pas bêtement, s'il vous plaît. Qu'on meure pas bêtement. Oui, je sais que tu m'as demandé d'aller par là, mais moi, j'ai envie de regarder un petit peu partout. Journal du capitaine, vecteur de l'infection. L'infection s'est répandue de façon spectaculaire en moins d'une heure. D'abord, le pont de lancement et le crash de la navette. Puis nous avons perdu la moitié de l'unité médicale et un quart de l'ingénierie. Aucune réponse de la baie de chargement. C'est mauvais signe. Ça ne devait pas se passer comme ça. Alors qu'est-ce qui devait se passer comment? Il nous dit bien d'aller par là, mais moi ça m'intéresse de... Bon, par contre, je me prépare, hein, parce que maintenant... On sait que même dans les petites pièces comme ça, plus ou moins safe, en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Rien n'est safe. Il nous dit d'aller par là, mais moi j'ai envie d'aller par là. Voilà. Et j'ai bien fait. Un petit point de... Non, ça c'est pas les points de force. Non, non, on joue en hard. Je suis désolé, il nous faut... Il nous faut de la munition. Il nous faut... Il nous faut des choses. Je suis toujours un petit peu réticent à me mettre un... Ah bah non, de toute façon j'en ai pas alors, comme ça. J'allais dire à me mettre de la stase. Parce que parfois on tombe sur un rechargement de stase. Putain, au casque, je vous invite à mettre le son au casque. En général, les gens sont sur leur téléphone au casque pour pas déranger leur chien. Ils regardent YouTube. Allez. Pourquoi il est pas mort? Putain, mais... Bah, je vais utiliser un truc comme ça pour lui. Bah ouais, je vais utiliser un truc comme ça pour lui. Et en plus, ce salaud me... Ce coquin ne me donne absolument rien. Allez, on rétablit le générateur. Système de défense. Transfert d'énergie au système de défense. Circuit des systèmes de contrôle rétabli. Ça a l'air de marcher. On y est presque. J'ai deux armes, il n'y a plus rien. Donc là, on est au découpeur. Un petit truc à ramasser là, non? Là, on est au découpeur, quoi. Encore une fois, le sound design. Mon dieu. Très très bon. Quoi? Putain, les autres qui se pointent. Putain, mais... qu'on peut les baiser. Je
c'était pas trop mal. L'aime pas lui, hein. Il le sait en plus. Ah, il me dit d'aller par là. Oui, bon, là, on a déjà visité ici. L'aime pas lui, hein, qui réanime à chaque fois un corps. Faut vite le tuer en fait. Quand on a la... quand on en a la possibilité, évidemment. Il va bien se passer un truc ici. Il n'y a pas un truc à ramasser? Je me permets de prendre un peu mon temps. Vu qu'on est, on ressort tout de suite du... Sortie zone sans air. Voilà. On ressort tout de suite du truc. Petite sauvegarde. J'ai bien envie d'aller au niveau 3 pour voir. C'est peut-être là où il fallait aller, hein, de toute façon. Je sais pas. Ça va à la salle des cultures, trouver Elisabeth. Une excellente initiative. Bon là il nous donne du trancheur, c'est qu'on va en avoir besoin. Contre toute vraisemblance. Ah, c'est le mode hard, hein. J'aurais dû faire une sauvegarde. J'aurais dû faire une sauvegarde, il y avait la sauvegarde, j'ai vu les coffres et j'ai été greedy. J'ai été gourmand, comme on dit. Bon, ça va, ils sont pas salauds. J'ai plus de stase. Je crois pas que j'en ai ramassé, non, j'en ai pas ramassé. Là, c'est vraiment histoire 2 vu que le checkpoint est juste avant. Non, bon, on va y aller au découpeur hein, vu qu'ils comprennent que ça. Les petits coquins. Mais putain, mais... Ou alors je pourrais lancer une espèce de mine. Déjà. Avec mon flingue. C'était pas mal. Ah,
L'un après l'autre, c'est beaucoup plus facile, hein. Bon, j'ai pas envie de me les refaire à chaque fois. Ouais, l'un après l'autre, c'est quand même beaucoup plus relax. Tiens, enfoiré! Putain, mais des fois, je m'abuse. Recharge pleine. Non, non, mais nous le faut. Ça, on le dépose. Pas souvenir qu'on puisse déposer des trucs. Comment on recharge la stase? Je crois qu'on est obligé d'aller dans le menu, hein, à chaque fois. Hein. Et là, on peut prendre les balles. Ok. Ouais, souvent, je défonce pas les cadavres parce que je me dis que le loot est là, quoi. Et puis en fait, il n'y est pas. Allez hop, le générateur, le dernier. Système de défense prêt pour utilisation. Parfait, ça devrait suffire. Mais la visée automatique du canon est foutue. Je pense que c'est juste un problème de câble. Manœuvrez le canon pendant que j'essaie de réajuster ça. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet du vaisseau, puis accédez au canon. Alors, je me souviens qu'il y avait une petite séquence comme ça, qui était un petit peu chiante au niveau des astéroïdes. Pas vous spoiler, mais bon, vous avez largement le temps de faire le jeu. Hein, dents pleines. Mais ça me refait comme tout à l'heure. Bon, on va déjà prendre tout ce qui est à looter. Puis on va reposer un truc au sol. Hein. Oui, là, il m'emmerde. Allez, on pose deux trucs au sol. Ah mon dieu. Bah ça déjà on le prend, on l'utilise. Voilà. Voilà. Comme ça, là on est full vie. Quelle ambiance, je suis fan. Je suis à nouveau fan. Je l'ai toujours été. Demain sur Instagram, sur mon Bosseron 14, où je vous invite à vous rendre, où je dévoile complètement toute ma vie. Hein. Des fois, il y a des photos de nu, hein, je vous préviens. Hein. Je vais poster une photo de mes dead space. Je poste beaucoup de mes boîtes, de mes collectors. Je vous invite à y aller. Pour rejoindre le canon de défense. Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à couvert ou elles vous tueront. Est-ce qu'on a véritablement besoin de la recharge, là? Voilà, il y a 14 balles, on le dépose. 14 balles, c'est rien du tout. Avancer à couvert ou elles me tueront. Hein. Faut que je me remémore hein, des fois ce qu'ils racontent. Entrée zone sans gravité. Merde. Là ça commence Alerte. Bien. Impact multiple détecté sur la coque externe. Bon, j'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que ça s'est mal passé. Je sais pas pourquoi là. Le personnage il lui arrivait une bricole là. Bon, on recommence. Entrée zone sans air. On est quand même beaucoup. Zone sans gravité. On est quand même beaucoup plus relax depuis qu'on s'est rajouté de la vie. Hein. Alerte. Impact multiple détecté sur la coque externe. Ah, mais ok. Là, on peut y aller. On va y aller tout doux, hein. Non. Elle peut pas me faire le petit message à chaque fois, ça serait bien.
Là, le jeu prend tout son sens, le nom du jeu, hein, Dead Space. Bon, c'est la bonne, hein, c'est bon, j'arrête de faire le kéké. J'arrête de faire le kéké. Alerte. Impact multiple détecté sur la coque externe. Allez. En plus, on a largement le temps, on a une recharge. C'est bon. Je crois qu'on peut se faire les deux, là. Tu vois, je refais le kéké. C'est fou, hein, c'est plus fort que moi. Alors qu'on a le temps. Je préfère attendre. Pour être bien sûr. Bon, on a plus d'une minute. Là, on peut en faire deux, je pense. J'ai fait le malin. Et là, c'est bon, on peut le faire d'un coup. Sortie zone sans gravité. Oh. Sortie zone sans air. J'ai eu peur. Avec la porte se referme. J'ai un petit peu peur. Semi-conducteur rubis. Putain, non, il me le faut. Bon, là, non, il me faut le semi-conducteur rubis. Hein, je suis désolé. C'est beaucoup d'argent. On dépose ça. Lame découpeur, lame découpeur. Schéma choc laser. Schéma PK, et là c'est quoi? Schéma tenue niveau 3, bah oui, on veut la tenue niveau 3. Absolument, il faut absolument qu'on l'achète. Allez, on fait une petite sauvegarde. Alors là, ça va être une séquence un petit peu chiante, hein, de ce que je me souviens. Mais curieusement, je crois que la dernière fois que j'avais fait le speedrun, pas du tout. La dernière fois que j'avais fait le jeu en mode hard, ça s'était relativement mieux passé. Alors peut-être parce que moi, la toute première fois que j'avais fait le jeu, et eh ben c'était sur PS3 et je venais d'avoir une PlayStation 3, ça faisait très longtemps, je vous raconte ma vie, hein. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait, que je découvre, enfin que j'avais pas joué aux jeux vidéo, donc j'avais beaucoup galéré en 2008 sur cette séquence là, mais là vous allez voir que ça va bien se passer là. C'est bon Isaac, vous y êtes. Ce canon est très puissant, il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Allez, voilà. Putain, voilà. Je me souvenais que c'était super chiant et voilà. Et là, surtout qu'en mode hard, bon bah, on prend des dégâts très. La coque du vaisseau UGC Ishimura prend des dégâts très très rapidement. On va y arriver. Hein. Mais la maniabilité est pas terrible. Hein. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Le système devrait bientôt être réparé. Faut pas que j'hésite à utiliser les deux gâchettes.
Putain. Intégrité extérieure 50%. Putain, voilà. C'est super chaud. Et là, à la souris, j'imagine. Bah tiens, pourquoi je le fais pas la souris? Pourquoi je le fais pas la souris? Comment je fais? Hop. Faire la souris. Comment on fait pour utiliser un truc? C'est le strafe. Alors, je vais me mettre dedans et puis je vais le faire à la souris. Voilà. C'est bon, Isaac, vous y êtes. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Parce que là, au stick, c'est super chaud. Putain. Intégrité extérieure 50%. La souris, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même. Intégrité extérieure critique. J'ai pas la meilleure souris du monde, hein. Et je l'ai pas paramétré. Système de visée automatique. Voilà. Bon, allez, hein. La visée automatique fonctionne et va sécuriser notre orbite. Dès que ce sera fait, je réactiverai l'autopilote. Dirigez-vous vers le tram et je vous retrouve là-bas. Ok, bon, évidemment les joueurs consoles sont lésés, hein. Au pad, c'est quand même. D'ailleurs, le jeu. Alors, donc du coup, vous voyez, Ishimura UGC se défend de lui-même. Allez, oui, pardon. Les joueurs consoles sont lésés parce que la maniabilité est beaucoup plus facile à la souris. Et oh, tu vas mourir? Non, mais c'est pas possible. Il est pas assez puissant, mon truc. Faut que je tire 50 fois dessus. Il va mourir ou pas, lui, avec la gravité, là? Bah non, mais il n'y a plus d'attaque, je suis complètement con. On a réglé le problème. Il n'y a plus d'attaque d'astéroïde. Faut suivre un peu le scénar, Romain, un petit peu. Un minimum. Il va bien en avoir un autre là qui va venir nous emmerder. Déjà les deux derniers, je suis sûr que j'ai pas looté ce qu'il m'avait lâché. Non, fais pas semblant de mourir, il reste 30 secondes.
Bah t'as chiffre mal. Sortie zone sans gravité. Sortie zone sans air. Du coup, on retrouve notre petit... Ok, on est bien là. On est back. Hey, Lysak, Hammond. J'ai une mauvaise nouvelle. L'oxygène baisse dangereusement. Quelque chose infecte l'air produit pour les cultures hors sol et quoi que ce soit, c'est en train d'envahir le pont de cette saleté. À ce rythme-là, on va bientôt manquer d'air. Mais si je comprends bien ces analyses biologiques, je pense pouvoir fabriquer un poison pour la détruire. Allez à l'infirmerie, il y aura tout ce qu'il faut. Il manquait plus que ça. Isaac, allez à l'infirmerie et faites tout ce que vous pouvez avec Kendra. Je vais à la salle des cultures. Si je peux la ralentir, ça nous laissera un peu plus de temps pour combattre. Faites tout ce que vous voulez, Kendra. Bon. On dira qu'on n'a pas bien, on a pas bien entendu. Allez, on continue. Il y a un problème avec l'air. On entend. Mais non, mais non. Pas les tuer. Pas ce délire. J'utilise des munitions pour que dalle là. Hein. J'utilise des munitions pour que dalle. Mon dieu. Même fausse histoire. C'était quoi ces petites larves? Un petit coup de vie quand même. Elle nous a dit d'aller où? J'aime bien regarder le plan, ça fait le mec qui s'intéresse au scénar. On va au niveau 2. Ok. On est comment au niveau? Là on en a 9. Il ne reste que 2 là. On va miser un petit peu sur le découpeur. Ça fait longtemps. En plus on peut le recharger, c'est très bien. Ah oui, merci. On a la tenue de niveau 3. Hein. Choc laser, dent trancheur. Le choc laser, projecteur d'énergie dévastatrice, ça c'est très très bon. Hein. Mais on va prendre la tenue de niveau 3, en plus on a pile assez. Oui. Désolé, on peut pas s'acheter tout. Mais il faut faire des choix. Hein. La vie c'est comme ça. N'est-ce pas mon petit chien, hein? Bah oui, il faut faire des choix. Ah voilà, là il ressemble à quelque chose. Ah là c'est Dead Space. Bon, on a encore 2700. Moi je me serais bien acheté acheter que... Ah putain, un mini kit de soins c'est 2000. C'est cher hein. Bon, on en prend un. Et dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? On a une recharge moyenne de... Ah ben ça, on peut le vendre ça, putain. Allez, vendre semi-conducteur rubis. Et on s'achète un point de force. Putain, 2000. On se prend un kit de soins moyen.
Non mais les points de force c'est quand même la vie quoi. Allez, on se prend un point de force, on est fou. De toute façon les munitions ils nous en donnent. Ok. Et on peut aller là maintenant. C'est par où je suis arrivé. Je suis con hein. Bon. Vous avez le droit de le dire dans les commentaires que je suis con. Qu'est-ce qu'il y a eu? Putain mais. Bon allez, je le laisse me tuer. Parce que là j'ai merdé. J'ai préféré me faire tuer, me démembrer, parce que là j'ai merdé, là j'ai perdu de la vie pour rien. C'est un jeu qui est con. Voilà. Il faut tout refaire là. Ah non mais là c'est pas rigolo. Il faut arracher la thune niveau 3 et tout. Oui, oh là là. Bah au moins on revoit la petite cinématique. Regardez, et puis il va ressembler à... Ah, il veut pas. Bon. Non, parce qu'on est en cours de jeu. Il ressemble enfin au... Bah Isaac qui est sur les visuels, voilà. Bon, je pense qu'on peut encore subgrader, hein, évidemment. Donc on vend bien sûr le semi-conducteur. Petite recharge. On la vend la petite recharge, on s'en fout. C'est comme dans le coffre, là, la recharge moyenne. Ils vont nous ordonner. Non, non, on va acheter un kit de soins moyen. Non, on avait dit qu'on achetait un point de force. Et un mini kit de soins. De lames de découpeur. Du combustible, ça, on en a rien à branler. Putain, il manque pas grand chose. Hein. Les balles d'assaut, on en a 25. Non, non, je veux pas acheter, je veux vendre. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Charge d'air, 1000, on s'en fout. Non, on s'achète un petit kit de soins. Vous voulez que je vous dise? Putain, mais il nous manque 800. Vraiment, c'est ridicule hein. On est pris de... Il nous manquait 500. Bon, je suis sûr qu'on aurait pu mieux s'organiser, mais... Mais je refais la même connerie hein. Oh là là. Et voilà, comme je vous disais dans le chat, vous avez le droit de me maudire. Mais je vais me refaire baiser comme tout à l'heure hein. C'est pas possible. Et du coup, toute la vie qu'on avait acheté. C'est fou hein. Je le sais pourtant qu'il faut que je recharge. Que je les stase. Pardon. Et je le fais pas. Je le fais pas, je suis con. Voilà, c'est ça en fait la raison principale de notre insuccès. C'est que je suis con. Allez. On a terminé avec le chapitre 4. On a joué pendant 1h30. Ça passe vite. C'est une vitesse, hein. Vous pouvez pas vous aussi. Ça passe à une vitesse.
Bon. Attendez. Hop, hop. Mais c'est curieux ça, histoire. Normalement, je peux basculer. Voilà. Non, il veut pas. Peut-être parce que je suis sur la manette. Et puis après, là, je suis en train de me... Comment on fait pour basculer? Si vous avez envoyé ça par mail, comment on bascule sur OBS? Pour tourner en même temps sur manette, normalement, j'ai aucun souci. Voilà, bah ouais, faut se mettre sur pause. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fou! Voilà, bon, bref, je sais plus. Je sais plus. Il veut plus. On a plus la musique du jeu. Ah, voilà. Bon, pour l'ambiance, on est quand même mieux. Bon, bah voilà cette partie 4. Excusez-moi, là, je sais pas, il est tard, j'ai merdé dans mes raccourcis. Mais par contre, non, dites-le moi, souvent j'ai un souci entre pour faire les transitions. Quand je suis en mode jeu, les raccourcis ne fonctionnent pas sur Streamlabs, OBS. Alors si quelqu'un peut me le dire, en me le chuchoter, ça me ferait un très grand plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah voilà, une excellente partie 4. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Toi, de toute façon, t'es toujours contente du moment que t'as ton flingue dans la bouche. Donc, on se retrouve demain pour deux nouveaux chapitres. Hein. Chapitre 5 et chapitre 6. Je vais le redire, mais je prends un pied énorme à refaire ce Dead Space. Excellent jeu, qui a même pas besoin d'un remake. Ou alors, ça serait vraiment esthétique. Juste esthétique. Donc, à très bientôt. Hein. Prenez soin de vous. Et tenez bon, hein. Je sais que la période est très dure. Tenez bon. Je vous embrasse.